Et voilà, Royaume de la Poisse, ça continue. Alors cette fois-ci, c'est pas la FDJ, mais c'est Windows 10, un problème de boot qui finalement s'est soldé par un crash de disque dur et de perte de données conséquente. Le plus drôle, c'est que c'était même pas le C qui a crevé, mais le D, donc allez comprendre. Et pour fêter cette bonne nouvelle, on va tout de suite commencer à gratter en lançant une intro faite à l'arrache, car j'avais vraiment pas envie de me casser le... Alors, et ben non, c'est une jolie planète. Nous sommes très vifs d'esprit. Nous avons un Spoutnik qui se promène quelque part. On est très flexible. On aime se faire exploiter. Oh, ils sont deux, ce sont les Émaux. Mais ils ne seront pas deux fois présents sur ce ticket, bien sûr, parce que ça nous ferait trop plaisir. Une soucoupe volante. C'est aussi rare de voir une soucoupe volante que des tickets gagnants. Et ben voilà, c'est très communicatif tout ça, mais alors, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Oui, ah oui, là c'était super intéressant, j'aurais bien voulu, tiens. Hop, Astro, nous allons donc prendre le taureau, Aldébaran, le tout-puissant Aldébaran. Oh, ben voilà, il nous a donné des cornes. Allez Aldébaran, sois sympa, repointe-toi quelque part, constant. Et encore une soucoupe volante, constant. Nous sommes constants. Et peut-être serons-nous contents. Oui, un bon gros jeu de mots à la con. Le satellite, tac. Et nous sommes résistants. On tue des nazis, super. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y en a gagné encore? De la daube, du gros, du lourd. Du 4 euros. Ouh, ça fait donc 0. On a perdu, on a gagné. Donc on nous rembourse ceci. Monsieur perdant, il va aller là-bas. Crac. Gagnant. Zup. Alors, le bélier. Lui aussi, un cornu encore. Hein, il va rien nous donner, je pense. Une soucoupe volante. Déterminé à perdre ou à gagner des étoiles dans le ciel. Motivé, motivé, motivé. Nous avons donc une des petites cornes qui se sont perdues. Hop, on est un audacieux. Mon Dieu, quelle trilogie de merde que Being the Wall. Comment ça s'appelait là? Avec les audacieux. Ah, je m'en rappelle plus. Toc, toc, toc. Alors, dynamique, et ben voilà, on a beau être audacieux, dynamique et déterminé. Ça ne change, et motivé, ça ne change rien. Oh, malheur! Du ticket, 150 balles et 50 balles. Voilà. Hop, au revoir. Donc, sa banque illico. J'espère que le 6, le 7 et le 8 vont être très sympathiques avec moi. Le 0. Le 0. Tout va bien. Hop. Ah. Le 0. Et encore un 0. Tout va bien. Et... 0. Et 0, et voilà, tout va bien. Restez maître du jeu, fixez vos limites. Oui, les limites de la connerie et de la malhonnêteté sont réunies. Alors, Blackjack numéro 30 avec encore une banque de ouf. Ou alors 17. Oh, ils prennent plus de risques. Hein. Ils veulent même pas imprimer des petites valeurs. 10, 15, 16, 17 et 14. Donc là, c'est perdu. Ouais, 525. Alors la surprise du bonus. Malus, bonus, malus, malus, malus. Hop, le 5. Alors la banque est à 20. 19. Donc à moins d'avoir un 21. Peu d'espoir. Donc 20. 8 et 50. 6. Tac, tac, tac. Et on a 0 encore une fois. Donc là, ça sent le sapin pour cette série, malheureusement. Et le 20 encore une fois. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais. 19, 15 et 16. Voilà. Et 0. Voilà. Bah, merci la banque en fait de tirer uniquement des grosses valeurs. Et on se demande comment ils font. Voilà.
Et voilà, en bonus, comme on est vraiment de bonne humeur, hop, du banco, en veux-tu, en voilà. Et il n'y en aura jamais assez, jamais trop pour se prendre des zéros. Voilà, allez hop, on va commencer à gratter. Hop, allez, montre-nous que tu as été généreux, Dieu de la chance ou de la malchance. Oui, toi, tu es très généreux en général. Tu aimes distribuer à tout va la poisse à tous tes adhérents. Allez, c'est parti, gratos. Eh bien, c'est un joli zéro, donc tout va bien. Merci le dieu de la poisse. Et voilà, double zéro. Alors, monsieur banqueroute, plein les yeux, plein le prout. Et ben voilà, ça sent le gaz, hein, oui, le prout. Et voilà. Ça nous fait donc zéro. Zéro à rajouter dans la cagnotte. Qui va s'agrémenter d'un zéro. Alors là, on a de la chance, hein. Ouais, alors donc c'était le 20, le 21, le 18, le ticket numéro 19. Et ben il nous rapporte 1 euro. Waouh! Et voilà, 2 euros. Bon, bah, un gain positif, on va le mettre à l'écran, hein, il mérite sa place. Banqueroute, sa proute, illico, c'est bien ça. On a encore perdu. Et c'était le numéro 14. Zéro, ça sent pas bon. Oh, 2 euros. Mais voilà, on annihile en fait ces tickets. Donc 2, 4. Pour l'instant, on est à moins 2. Moins 2. Alors, nous baisser en température encore en plein mois de juillet. En plein mois de juillet, plutôt fin juillet. Ouais. Hop, putain, 0. 1 euro, oh lolo, oh lolo, ah ouais, 1 euro et 0, ouais, mais c'était un borgne, tant pis, Willy le borgne, ou Jack le borgne, ou Black Jack le borgne, ils sont tous de la famille, et ceux qui n'ont pas de chance, alors, et voilà, un autre 0, c'est le numéro 16, celui-là, celui-ci c'est le 17 qui se suit et qui se ressemble. Oui, malheureusement, qui se ressemble s'assemble. 0. Hop. Et on continue numéro 12 et numéro 13. Alors, la chance de remporter un gros lot. Un gros lot à banco, oui, c'est 3 euros. Oui. Bon, bon, on relativise, mais ça fait plaisir. Hop, 3 euros et 0. Voilà. Donc là. On... Ouais, quand il doit y avoir 3 euros, on ne doit pas pouvoir gagner plus, j'imagine. Enfin, ça doit être tellement événementiel que pour le vérifier. Et encore 1 euro. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a comme. Et oh là là, ça fait 5 euros là. Ah ben voilà. Alors 5, 6, 8 et 10. 10 pour 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, hop, 12 tickets. Donc. Allez, sur cette bonne nouvelle, on rigole bien sûr. Je vous souhaite de bonnes vacances et moi je vais en prendre de très très longues, j'ai l'impression. Et il s'était perdu, c'était un orphelin, il restait le numéro 49. C'est parti. Oh, bon, on a encore 1 euro et 3 euros de plus. Oh là là, c'est la fête.